À Waterloo, c'était sa mère avait un commerce. Quand son père est décédé, il y avait un commis qui travaillait depuis sa jeunesse. Puis, un an ou deux après son veuvage, elle a remarié le commis. Et puis, là, mon grand-père, justement, avec son caractère peut-être un peu vif, il n'était pas toujours d'accord parce que là, étant marié avec sa mère, c'est-à-dire que ce monsieur-là, il était marié avec sa mère, il lui donnait des ordres, puis là, il acceptait pas ça facilement. Fait que c'est là qu'il a décidé de s'en venir à Mont-Laurier. Il connaissait bien le curé Labelle. Il était ami avec le curé Labelle, il le voyait souvent. Puis le curé Labelle, il dit, « Moi, tu t'aimes ça, être plutôt près de la forêt, de ça, la manière. » Il dit, le curé Labelle, lui, son chemin de fer, il voulait absolument le rendre jusqu'à Mont-Laurier. Fait qu'il dit, ça sera pas long, on va avoir un chemin de fer, puis tu pourras voyager. Il est venu chez nous, puis il est venu chez mon grand-père, puis il a couché chez mon grand-père. Ce que j'avais du curé Labelle, moi, j'avais des photos. Puis il était photographié. Ma grand-mère était là. Ma grand-mère, c'est curieux, elle était une personne grande et forte assez. Puis quand vieillie, là, elle était toute petite, là, et puis le curé Labelle, il couchait justement chez Soli Malik. Il recevait tout le monde, mon grand-père. Et puis les gens qui s'en venaient s'installer, ils arrivaient avec famille. Fait que là, bien, ils distribuaient les familles dans les quelques maisons qu'il y avait là. Et puis... c'était... moi, j'allais souvent chez grand-père Alix, puis il venait faire son tour. Je l'aimais beaucoup, il était très gentil. Je me souviens toujours, il y avait une chaîne en or, là, avec un petit bijou après, là, puis il ouvrait ça, puis il me montrait des photos de sa femme quand elle était jeune, elle était une jolie femme. Et puis, c'était un bon grand-père.